Qu'est-ce que tu fous toi? Tu t'accroupis comme ça? Oh! Mets un peu ta torche. Putain, mais ta torche elle est toute pourrie, elle est attachée avec du scotch, mon gars. Bah, parce que la tienne elle est pas attachée avec du scotch, bouge pas. Bah, je sais pas, je le vois pas. Je vois la tienne, elle, mec, elle est complètement attachée avec du scotch aussi. La tienne aussi, c'est trop pourri, putain. Clairement. Cet équipement de fortune. Bonjour à tous! Eh bah, on va aller retrouver Jade! Ouais. Appuyons. Il fait tellement nuit dans ce truc. Mais qu'il fait méga nuit. J'ai l'impression qu'il fait plus nuit que dans l'autre ville. Clairement. Bah remarque, il suffit qu'il n'y ait pas de lune et qu'il y ait plein de nuages et... Ouais, regarde sa montre, mon mec. Ah ouais, d'accord. D'accord. D'accord, attends. Complètement orageux le truc. Et t'as vu, il y a de la fumée là-bas. Non, parce que moi j'ai dû baisser un peu les graphismes vu que mon ordi crame si jamais je le mets trop fort. Attends, mais je vais voir si je peux. Ah, je vois que dalle quoi, j'ai la distance de visibilité au minimum, c'est trop la merde. Ah, je suis de base à la moitié, je crois. J'augmente le volume de musique parce que ça a l'air d'être l'ambiance a l'air d'être beaucoup plus flippante, non? L'ambiance a l'air d'être beaucoup plus trash, ouais. Là d'un coup, comme ça. Oh, oh merde! Il y a des zombies dessus. Il y a des horreurs en bas, donc on va essayer de pas faire de bruit. Bah, moi je défonce des zombies. Oh, je suis d'accord, hein, mais. Ah oui, on c'est vrai mon bouclier. C'est vrai qu'on peut se camoufler. Ouais, moi je suis camouflé derrière mon bouclier. Que moi j'ai balancé. Oh, tu peux les recréer toi-même normalement. C'est un talent. Mais non, mais que j'ai balancé parce que je. C'est Troy. Oh, allô? Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Sa vie a une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jade. Ouais. Excellent. Tiens-moi au courant. A plus, Crane. J'espère que vous l'entendez bien. Et je te donner un conseil. Essaie d'éviter autant que possible les infectés, ok? Ah. Ils ont toujours été dangereux. Mais maintenant, ces enfoirés sont plus costauds. Ah, donc on est d'accord. Ah, et il y a une safe house. Ah ouais, nice. On avait raison, donc. Ouais, ouais, c'est... Merde, j'ai coupé ma torche. C'était pas qu'une impression, quoi. Ouais. Elle est en bas? Il y a une caisse de flics, je vais quand même aller voir. Ah, merde. T'es avec moi? Ok, merci. Parce je vais cramer la gueule. J'ai perdu masse de vie. Vas-y, je crochet. Ouais, quand tu seras dans tes talents d'agilité, il y a un talent pour prendre moins de dégâts quand tu tombes. Ouais, je sais. Je l'ai, tu sais. Ah. Enfin, parce que moi j'oublie tout le temps de le faire donc. Ah oui, il faut appuyer. Ouais, il faut appuyer sur C. Ouais, ça. Je pensais que c'était automatique au début, mais en fait, non. Mais pas non, moi aussi. C'est déjà fini la nuit? Je pense. Ça a été vite, non? Ah ouais, si. 5h50, ça a été vite. Bah, c'est toujours 21h06, hein, mais il suffit qu'on glande pendant 10 minutes. Oh! Ah, il est en train de cramer, j'allais dire putain, il est tout noir. Ah, c'est au-dessus de la safe house. Enfin, c'est à hauteur en tout cas. Une ambulance. Une ambulance. Non, ça, il y a des bureaux. Si moi j'ai une ambulance, ouais, prochetage. J'arrive. Mais il y a un mec dans le clocher qui l'active. Pas possible. Bah, ou alors c'est automatique. Ouais, mais. Ouais. Dans les trucs tout pété comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est étonnant que ça marche encore. Il y a une autre ambulance là-bas. On va faire la safe. Ouais. Il faut monter par en bas. Comment ça se passe? Je sais pas. Ah, peut-être par ici. Oui, c'est là. Mais... moi j'ai un. Ok, je suis dedans, je suis dedans. Ah bah non. Salut. Salut? C'est pas ici? Si, sûrement, mais faut rentrer quelque part. Ah, c'est encore au-dessus. Ouais, je pense. Il y a encore la flèche vers le haut. Ah, ok, j'ai pas une flèche. Ouais, là. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'il y a ici? De la garde. Barre chocolatée. Encore ici? Les vêtements, enfin, ils sont tout propres. Enfin, tout propre. C'est genre là à côté en fait, d'accord. Des clubs ici. Ah, c'est ici, ouais, d'accord. Rêve. Ils sont le courant. Hop. Oh putain, non. Ah putain, la vache. La vache. Non, mais je suis descendu. Il y avait un mec qui m'a sauté dessus, mon gars. En plus, je me dis, tiens, il fait noir. Je vais allumer ma torche. Merde, là, je vois sa grosse gueule. Marrant ça. Pourquoi j'ai poussé cette merde? Qu'est-ce que ça change? Crochetage qui bug, mon gars. Sérieux? Bizarre ça. Genre mon crochet il a traversé mon tournevis.
Ouais, ouais, ta gueule, je t'avais vu, hein. Connard, là. C'est ici pour remettre les... un truc de tenue. Non, non, côté. Je suis en train de remettre les deux plombs que j'ai sortis de mon cul. Bien sûr. Très important. Ça change pas, ça. Ta gueule, toi. J'ai poussé une armoire, truc qui sert à rien. Bah c'est... Attends. Hein? C'est pas rien, hein? Tenue. Toujours éclaireur, hein. Ouais. Ouais, bah je vais mettre l'autre. Ah bah voilà, on va pouvoir... On va pouvoir nettoyer nos vêtements. Imaginez. Ouais, j'ai vu. Bon. Ça c'est une safe house pour vous. Est-ce qu'on va chez Jade? Bah ouais. Ouais, une armoire. Ah non, chez Jade. Ah oui, mais c'est ça que t'as dû faire en fait, t'as dû pousser l'armoire pour sécuriser la zone. Ah allons. D'accord, pour la mettre devant la porte. Ouais, pour pas qu'il puisse rentrer. Bon bah ça va, ils peuvent monter par le toit aussi. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y en avait déjà avant qu'on arrive. C'est des zombies quoi. Oh la vache. Oh mec, ils sont 1 milliard. Oh. Putain, il y a un truc de sang aussi. Ça te fait pas penser à Assassin's Creed? Carrément. Il y a une putain de mission comme ça. T'es sur les toits d'une ville ici, et il y a un... Genre un tyran qui bute un mec dans une fontaine, ouais. Comme ça. Merde, ils sont sur les côtés ces deux-là. Putain, il y a une ambulance, deux caisses de flics. Ah, je suis tombé. Deux ambulances. Ouais. Il y a un risque de décès de la part du fainéant. Ah, ils sont tous plantés dans les trucs. Ouais, j'allais dire, tu peux les pousser dans les trucs. Tu veux que je fasse un pétard de l'autre côté? Ou alors un pétard vers toi, et puis tu montes, et puis eux ils meurent dans les trucs. T'as vu que t'en as quelques-uns, je vais lui ouvrir l'ambulance. Ils viennent pas dessus. J'ai ouvert un truc. Non, j'ai un zombie sur la gueule. Même pas. J'ai ouvert l'ambulance ici, si jamais, ça fait toujours un medkit en plus. Ouais, ça va. Je suis en train d'essayer de tous les pousser à peu près sur les piquets et tout ça. Putain, j'ai un virulent. Salope. Ah oui, est-ce qu'ils font plus mal ou est-ce qu'ils sont plus durs à tuer aussi? Je pense que c'est ça, les deux. Oh attends, je vais me camoufler. C'est pas con ça. Ça au moins ils me foutront la paix. Bon super. T'avais qu'à prendre le talent. Oui bah merde. Oh mec, c'est trop bien, tu te camoufles et puis tu les mets dans les pics. Mais n'empêche, pour crocheter c'est peinard. Merde, ça s'enlève. Pardon. Ouais, moi je suis au-dessus des ambulances, ils me touchent pas. Je suis en train de les éclater. Ouais. Je leur donne des coups de pied de biche. Mec, normalement tu dois me voir accroupi en dessous de la statue. On dirait, non? Je suis accroupi. Ouais. Wouh! Je vais pas garder. Je vais voir si la caisse de flic là-bas est ouvrable. Ah bah y'a une camionnette de flic ici. Justement. Ah ouais, elle est ouvrable. Que je fais, je balance un pétard arrière. Oh mec, je vais lancer une grenade. Grenade maison. Attends, t'as pas un pétard? Parce que j'en ai pas d'équipé comme ça. Encore un, ouais. Ça, tu c'est les attires quelque part et puis je lance une grenade. J'arrive. Ah, tu t'es barré loin. Bah, j'avais une camionnette de flic, donc je me suis dit, tiens. Bah écoute, je vais la mettre là près de la voiture. J'espère que ça en attirera assez. Ouais, ça va en attirer quelques-uns. Je le vois pas. Et ici, il est ici. Ah d'accord. Putain, ça va amener tellement de gens. On va choper une pluie de violons. Attends. Mais ouais, mais ça... Je vais run pour les attirer un max. Puis je me retournerai et voilà. C'est quoi? Putain. Ah ouais, par contre, il faut pas que je me fasse bouffer 6 fois de suite, sinon je vais claquer. Ah, j'avoue. Je tire un peu au pif, ça ramène du monde. Ça va être n'importe quoi, ça. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai, moi, qui pourrait aider? J'ai encore des grenades aussi. Putain, ils ont un peu rien à péter, quand même. C'est ouf, quoi. Ou alors, tu les attires aussi. Non, moi, je fais rien. Je suis sur un toit. Oh putain, je vais clamser. Je me fais un kit de soins et je grimpe. Eh oh, ça va pas, ouais.
Putain, y'en a qui s'est balancé sur moi. Ah, et un autre zombie qui l'a pris, il l'a lancé sur moi. Et j'ai lancé une grenade et elle est partie. Ah bah c'est juste ici en fait, Aran University. Il y en a un autre qui s'est balancé, je lance la grenade. Qui s'est tout pourri mon gars. Sérieux? Ouais. Une heure qu'on fait ça et résultat ça fait rien. Ouais, j'avoue c'est de la merde. Ouais, je pensais que ça allait bien péter quoi. Pas du tout. C'est de la merde. Bon bah vas-y, on fait la mission là. Moi je vais me faire une petite caisse de police là. Ouais, je vois. Il y en a une autre là-bas, je vois. Ah, il y a un flic ici justement. Sérieux? Il y a un zombie flic, ouais. Il a son équipement et tout. Ah, sa chemise. Trop marrant. Et ah! Ok, effectivement, il y a une autre camionnette de flic ouvrable. Ainsi qu'une voiture normale de flic ouvrable. Putain, je vais déglinguer sa gueule au virulent, mon gars. Au bioc. Non, au virulent. J'arrive parce que là, moi, je vais commencer à clamser dans pas. Putain, mais merde! Sérieux, ils prennent la... Ils font la prise de tellement loin. C'est absurde, ce truc. J'essaie de venir. Ah non, je suis pas trop loin. En plus, ils sont tout lents, tout moisis, quoi. Tout de la merde. Mais dégage, le virulent. Ranime-le vite. Attention, cours, il y a plein de mecs. T'as vu, côté là, il y a une camionnette, c'est derrière, il y en a une normale aussi. Celle-ci, elle est ouverte ou quoi alors? Non, c'est ce que c'est que j'essayais de faire avant que tu meurs. Ok, d'accord. Je pensais que c'était. Ok. Et d'ailleurs, c'est ici qu'il est le mec. Enfin, le flic. Putain de bordel de. Mais c'est pas vrai ça! Ok, merde, tu vois. Je suis mon dernier kit. Non, c'est pas mon dernier, il me reste 5. J'avoue qu'ils font plus mal quand même. Ouais, ils mettent des patates à 30 là. Mais putain, mais mon mec il veut pas taper, tu sais. C'est un truc de malade. La prise est vraiment mal faite par contre. Pas vrai ça! Genre ils prennent à 2 mètres quoi. Sérieux, c'est horrible. Crève! Putain, on nous crache dessus en fait. Ouais. C'est ça que je perds en ma vie, je comprenais pas. Je pue. Reste à terre. Je suis camouflé. Il y en a plein derrière moi. Mais dégage! C'est pas vrai! Mais putain! Mais c'est quoi cette merde? J'ai ouvert une caisse. Les mecs se sont complètement emballés pour les zombies dans cette ville. Que dalle dedans. Ouais, clairement. Bah du coup, en soi, c'est pas plus mal, ça change ta manière de jouer, quoi. Mais... Ouais, bien sûr, mais... J'ai ouvert l'autre. Un couteau. Couteau plein. L'autre côté. Ouais, je vais essayer de me faire la caisse de flic ici parce que. C'est un peu un challenge pour moi, j'essaye depuis tout à l'heure. Ouais, je comprends. C'est un virulent là. Aïe. Dégage toi. Ouais. Un deuxième. C'est trop bien le bouclier, mec. Ah ouais. Il tape. Et j'entends le bruit. Je suis retourné, je lui ai mis un taquet, mon gars. Faudrait que tu me montres dès que je sors de ça. Bon, du coup, maintenant, il y a plus personne. Avec quoi que ça énerve ou bien? Vas-y, c'est ouvert. Un enterre plein, coup près d'abattoir. On chie avec leurs armes à la con. Clairement. Un porte-flouze. Les virulents sont relous par contre.
Et ils viennent de même sans bruit. Attends, vas-y, tu peux donner un coup de bouclier, genre. Bah, je sais pas faire de coup de bouclier, mais chez les. J'sais, par contre, chez tout. Mec, le bruit est absurde. Ah merde, il est cassé! Il est cassé! Complètement absurde. Bon, allez, on va arrêter sur les Mongols. Ouais. Allez, c'est où la glissade? Mec, je me suis accroché. Il y a un téléphone qui fait tu tu tu. Ouais, j'ai entendu un moment. Pas le téléphone d'en dessous là? Ah, si, c'est ici. Et c'est quoi le truc bleu là-bas qui, sur notre map déjà? Attends, j'arrive pas à monter. C'est pas les infectés verts ou. Rencontre aléatoire, c'est quoi? Je sais pas. C'est pas une compétition, j'espère. Je sais pas, on va aller voir. Ah non, attends, y'a carrément une forteresse ici. C'est des mecs. Attends, c'est des potes! Ils se battent contre les gens! Merde! C'est merde, je sais pas passer de l'autre côté? Si, on peut. Ah oui, ils se battent contre. Oh! Mec, je me suis fait fumer! Pareil. Mais par quoi? C'est encore pas les Ah, d'accord! C'est les malabars de la reine, ceux qui lancent des trucs. Ah putain. Mais ça, c'est des potes, ça? Oh, putain. Bah, c'est des bleus donc. Ah, ouais, je pense que ça va devenir nos potes si on les aide. Ah oui, c'est vrai qu'on est en bleu. Attends, mais du coup, il faut les mettre dans un baril. Moi, j'ai une arme à feu là. Il faut pas que eux nous mettent dans. Oh putain! Il m'a balancé un truc à la gueule! Oh, tiens, je balance une grenade sur la gueule. Bon, j'ai fait péter un truc en espérant que ça le bute. À la limite, tu peux me raise moi. Oh putain! Je crois qu'il a pris un peu cher. Et dès qu'il va près d'un baril, tu fais un petit coup de gun. C'est déjà pas mal. Cours, hein, cours direct parce que je sais pas s'il va pas lancer un truc. Ouais, non, mais il court. Tiens, une grenade dans ta gueule, mon gars! L'avantage, à mon avis, c'est qu'ici les virulents peuvent pas venir. Et là! Ah, on a une petite sonnette. Ouais, une petite sonnette. Oh, putain, si ils arrivent par le toit, mon gars. Ah oh, merde. Oh là, oh, relou. Et nos potes sont morts du coup. Non. Il y en a un là-bas. Mais non, non, pas du tout. Oh, tu l'as buté, nice. Ouais, j'ai eu. Il reste là-bas, là-bas. Oh putain, il se quitte de soin. Non, il m'a eu. Putain, j'ai chié là. Je pense que c'est un virulent par derrière qui m'a mis le dernier coup. Virulent, il s'acharne nulle part. Putain, j'ai presque plus une balle par contre. J'espère que je vais pas crever. Oh nice. J'ai. Kit de soin. Non, si je peux pas prendre la gueule. Quoi? Bah oui, je sais, mais c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je me prends un coup. T'as besoin de quoi? Ah. Ok. Et oui, vous entendez Seigneur dans son environnement naturel, évidemment. Ah merde, c'était pas mute. Tu connais pas le bouton mute, hein, visiblement. Mec, j'ai cliqué dessus, à mon avis, j'ai du double clic parce que ça a foiré. Comme d'hab. Mais mec, c'est quoi ce truc de malade là? Fais chier. Mais non, mais ça me saoule. Oh putain. Pourquoi ça te saoule? Mais. Parce que. Non, mais ça me saoule parce que j'ai plus de munitions. Ah bah voilà, il est mort. Non, il. Ah ouais, si. Putain, ça crame. Oh putain, ça crame. Vache. Surtout, n'allez pas dedans, j'ai perdu 100 HP. Alors, qu'est-ce que je peux virer? Hachette de G. Là, ça ne fait pas plus de mune, j'imagine. Marteau de sculpteur. Ah si, ouais. Enfin non, peut-être pas, en fait. De sculpteur et pas de sculpteur, rien. Et du coup, c'est des potes maintenant ou pas? 4 putains d'HP. Mais moi, je vois pas de survivants. Tout à l'heure, je dis pas, mais là, j'en vois pas. Vous avez trouvé une nouvelle zone de quarantaine, c'était marqué à un moment. Qu'est-ce que je peux virer? Truc qui va péter? Ouais, c'est moi. T'as les boules. Vas-y, ça va te tirer des mecs. Merde. Bah oui, fini là. Oh, un sac. Ah, ils avaient. Ils avaient des étoiles volantes. Ouais, j'ai vu ça. C'est parce qu'il y a un truc rouge là de l'autre côté du mur. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Ah oui, ça, ok. Un truc genre. L'infection quoi, donc. Bah du coup il y a que dalle quoi. Je comprends pas ce que c'est. Ah ou alors c'est dans le tunnel là. S'il y a une cour. Un petit peu nul. Ouais, c'est qui est exactement la même que quand on est arrivé la première fois ici. Y'a que dalle dedans, super. La prochaine fois bloquer le passage hein, c'est pour rien mettre. Oh, vas-y, je te rejoins.
No entry. Maintenez parking. Zone de quarantaine. Difficulté difficile. C'est quoi, c'est des instances? Genre une arène, ouais. Ouais. Marrant ça. Putain, vas-y, comment on sort de là? Moi je suis monté sur la. J'ai sur du la maison, là. Ouais. Putain, mec, j'ai repris un mec de voler. Il est passé sur une barrière et il m'est tombé dessus. Je lui ai donné un de ses coups de pied. Tellement mal foutu ces histoires. D'ailleurs, là, comment j'ai pu me prendre des dégâts de chute au sol en étant accroché? C'est mal fait. C'est tellement mal fait. Peut-être qu'il y a une logique que j'ai pas comprise, mais. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ce que j'entends aussi par être mal fait. Je peux pas comprendre du premier coup comment fonctionne le système de climbing, c'est que c'est mal fait en fait, je suis désolé mais... C'est un jeu vidéo, ça doit être simple. Non mais là il y a de la merde là. Ah non d'accord. Ouais, ah là, l'autre côté du truc. Bah du coup Non de mes burnes. Bah du coup on va chez Jade. Et il y avait quoi dans le truc de quarantaine, on fait pas? Bah je sais pas, c'est une genre d'arène d'instance donc il faut le lancer quoi. Soit on le lance, donc, soit on aura des munes quoi. Ouais c'est ça. Bon, où c'est que c'est? À part en haut peut-être. Je pense que c'est au-dessus ouais. Et en plus le pont est en haut. Ah bah oui, il y a une flèche. Ça je pourrais pas dire. T'es tombé hein? Oh bonjour. Oh putain la vache, je me fous les boules mec. Clairement. Garde, bon on lui parle pas sinon ça va faire une. Oh ouais, là-bas des... Oh merde, c'est des rails ça. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Je me dis c'est des potes. Abort, abort. Mais attends, on a des gardes juste à côté quoi. Ouais c'est ça, t'as raison. Attends, je les lancerai bien des armes de jeu là, c'est con. Ouais mais il faut le faire d'ici. On peut pas sinon. Putain t'es passé. Oh mec, ça m'est cher. Oh merde. J'ai buté des... Mais non! T'as buté le pote! Je savais pas qu'il y en avait un! Et mais mec! Et puis j'ai vu que c'est tombé sur sa gueule! Bon, t'avais des trucs intéressants au moins! Ah, j'avoue! Des HS! Merde, mais l'autre pote il a volé! On peut même pas lui prendre ses munitions! Si, il est là! Ouais, notre pote, ouais, mais l'autre de Rice là! Oui, mais c'est pas notre pote! Putain! J'avais trop pas qu'ils avaient un survivant! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mettre l'abreuvoir sur les toits? Ouais! Y'a un coffre ici si tu veux! Rejoutage! Ah putain quoi, je lance la mec, grenade et je vois que ça tombe par terre sur un mec. Oups! Mec, on vient de sauver! Petite grenade incendiaire dans la gueule. C'est ça. Ah, c'est vraiment pas de bol quoi. Ah, je te soigne, je suis super gentil. Thank you. J'ai juste mis clic. Sans blague. Wouh! Son ambulance là-bas, caisse de flic. Oh putain, voilà. Hop là. C'est marrant du coup que. Mec, j'ai défoncé la porte! T'es où? Jade! Attends. Jade! T'es là? Bah, apparemment, non. On peut pas demander aux gardes. Aucun signe de Jade. Please help us. Merde. Allons-y. Aucun signe de Jade, il dit. Coucou. Parle pas. Ah, ça, c'est une. Muette. AC. Banque du joueur, ok. Nul. Ça a l'air confortable. Ça a l'air confortable. Deux fois? Ça a l'air confortable. Ça a l'air confortable. Faut livrer une caisse et un. Ah, il faut demander des informations. Survivant. Il parle pas. Enfin, toute cette radio déjà. Ah, on peut changer. Non, ça doit être secondaire là. T'as l'air confortable. Ça a l'air confortable. Ça a l'air vraiment, vraiment confortable. C'est oh, fusil de chasse double canon. Putain, faut que je me l'achète. Quoi? Fusil de chasse double canon, ça s'appelle. Oh, j'ai pas ça. Merde. J'ai une serpe. Serpe? Un pistolet 9mm allemand. Un boule à valour. Une faucille flamand. Une dague. Munition de carabine. Ah, c'est bien ça, on est plus justement. Est-ce que j'ai un truc x 1000 encore? Oh, attends, dis-moi qu'il y a des kits de soins. Ouais, il y en a. Il y en a deux, mais bon. Je lance comme d'hab. Les munitions, je sais pas combien on en a à chaque fois, ça me saoule ça. Sabre 6 pailles. Waouh. Mec, 200 de dégâts. C'est ouf. Putain, moi j'ai une batte composite remarquable, elle fait 134. J'ai dit double canon, je vais le prendre par contre. Tu m'étonnes, mais le montrer surtout. Il coûte 12 600 quoi. Ah la vache. Eh, je peux pas avoir le gros machin rond là qu'il y a sur ton bureau? Peut-être ça, le boule à valour? Qu'est-ce que je peux vendre? C'est la meilleure camelote de toute la ville. Alors, fusil de police 184, c'est les mêmes, d'accord.
Oh la survivante là, tu peux pas me dérouiller les jades. Ouais. Oh petit connard, tu merdeux là au lieu de dessiner sur les murs. 117, 115, 134. Hop. Je regarde aussi par rapport à la résistance, histoire qu'il se pète pas trop vite, sinon bon c'est absurde. C'est chiant. Celui-là, celui-là, voilà, comme ça j'ai un peu de place, un tout petit peu de thune. Les couteaux de jet militaire x 1 million, je sais pas si j'en garde quoi, parce que genre, j'utilise pas tellement moi. Je sais pas toi mais. Oh la salope. Mais dites-moi où est les jades, merde. C'est pas vrai, ils sont là en train de me regarder comme. Fanny est occupé. Laissez, laissez. Ah. Ah la fou, je rallume la radio. Oh. Voilà, je veux pas regarder sur l'ordinateur, bah voilà. Ah c'est marrant ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je pensais. Je pensais qu'il y avait deux. Il y a deux radios et je pensais que si j'en éteignais une, ça éteignait l'autre aussi. Ah non, l'autre aussi. Putain, il y a le piétinement comme le mec qu'on jouait dans Dead Island. Ah, genre, tu écrases la tête du mec. Ouais. C'est bien. Nickel. Le gros black qu'on jouait. Ah ouais. Comment il s'appelle? Sam B. Ah ouais, un truc du genre. Ah, c'était Sam B, je pense. Lay on the junk food. Lay on the junk food. Sinon, appuie sur A, à mon avis, ça nous met où aller. Ouais, ouais, non. Mais... Ah, il y a des mecs là. Soudeur. Attends, on peut pas aller voir. Soudeur, ouais, t'as un plan? Ah non, je regardais mes plans à moi. Ah putain, y'a un chat qui vient d'apparaître sur la fenêtre, mon gars, il m'a foutu les boules. Ah merde, il faut que je. Ah, je pense que c'est ici. Parce que là, ça met à temps des autres joueurs. Qui a l'aise. B, bro. Ah, mais attends. Juste que je répare. Non, attends. Je comprends pas. Maintenez B pour voyager rapidement. Si je me fais B, ça fait quoi? Je me retrouve près de toi. Non, c'est parce, super, que c'est parce qu'il y a une mission annexe. Hein? J'étais à côté. C'est crois. Où, Nex? Ouais, on est à côté de lui, on s'en fout de ça. Enfin, ça se trouve, il faut la faire parce qu'il est en orange. Hein, mais. Ouais, je pense qu'il y a un rond dessus, donc du coup, va falloir. En gros, à mon avis, c'est un genre de mission annexe, mais il faut la faire parce que c'est lui qui va nous dire. Ah, mais attends, il y a un truc au-dessus aussi. Ouais, non, mais au-dessus, c'est là où on est. On était. Hein? Y'a pas un mec encore au-dessus? Si, peut-être. C'est genre, y a une échelle pour aller jusqu'au toit, donc. Ah, mais oh non, y'a personne. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. Aïe. Je pensais que c'était ici le truc, mais ouais. Bah, écoute, faisons ce qu'il veut. À Fidan, hein. Excuse-moi, tu peux m'aider? Oui, bah, ah bah voilà. Je cherche une jeune femme, brune, fine, du genre à passer sans merder. Elle s'appelle Jade Aldemir. Oui. Ah bah bien. Tu l'as loupé de peu. Elle est restée là comme un accent russe. Ouais. Par contre, moi, il me regarde pas, je sais pas si toi, il te regarde. Il y en a un peu à ma droite. Non. Ouais, pareil. Genre, complètement même. Elle a laissé ça pour toi. Elle a donné une tarte. Amir. Pourquoi elle m'a laissé ça? Ma, je sais pas trop. Ma, je sais pas trop, tu mais sais. Elle m'a dit de te dire une fois, mais pas deux. Pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. Pas une fois, mais pas deux, connard. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Moi non plus, je sais pas. Livrer la caisse à l'intendant. Sérieux? Ah ouais, c'est vrai qu'on avait toujours ça. Nouvelle entrée dans le journal. Non, mais on s'en fout de ça. Clairement. Du coup, on arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jade, ici ah. Crane, tu me reçois? Yeah. Jade, tu me reçois? Que bonjour. Trav, ici Crane, tu me reçois? Crane, j'allais t'appeler. Xavier a réussi à passer outre le brouillage. Je crois que tu ferais mieux de venir. Bah, passer, réussi à passer outre. Oh, bah, bref. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ce qui se passe là. Je suis enfermé dans un petit machin. Faut que tu vois ça de tes propres yeux. Merde alors. Bien vite, c'est important. Il faut que tu vois ça de tes propres esgourdes. Est-ce qu'il y a un intendant et un shop ou rien à voir? Non, je pense pas. Je pense que l'intendant c'est uniquement dans les vrais. Enfin, quoique c'est une zone sécurisée donc. Ah, mais attends, en fait. Ah oui, d'accord, en fait, c'est sur notre map, j'avais pas remarqué. Il est là l'intendant. Il est où? Il est à côté de toi. Ah, mais non, moi je suis en dehors en fait, je suis dehors. Ouais, ouais, bah. Sur moi, Ah, bah t'étais plus proche de lui. C'est marrant ça. Attends, c'est toi qui as pris des dégâts. Ah, bah c'est en dessous. Ouais, c'est en dessous en fait. C'est là-bas. Mais oui, mais c'est fermé là. Ah bah maintenant c'est ouvert. Mais c'est ouvert. Mec, tout à l'heure j'y étais, on pouvait rien faire hein. Putain, ah, je sais moi aussi. Comment t'es arrivé ici? Par contre j'ai cru, j'ai ah, focus. C'est notre pote le mec. Hey, le bon c'est Rome. Alors, à partir de maintenant, je ne bouge plus d'ici, ok? Tout ce que j'avais pour toi au bidonville, mais je il parle plus voir ici aussi. Hésite j'ai pas. Plus le son mec. C'est vrai. Pas de soucis. Ouais. T'as les sous-titres ou pas? J'avais les sous-titres, et genre tout ce que j'ai entendu c'est ouais, merci mec. J'ai rien entendu du tout. Merde, j'ai fait. Ah non, c'est bon, je vais donner le parachutage. Livrer le parachutage. Oh mec, il a fait un truc chelou. Il a fait quoi? Mais je sais pas, il s'est retourné, genre il a dû avoir un bug graphique et son cou c'est mis dans son dos en fait, tu vois. C'est vrai, il y a un plan ici.
Ah, ah, ça me dégoûte. Je suis content de pas l'avoir vu. Par contre, t'es gentil. Ça, c'est moi, ça. Spike. Ah oui, d'accord. Bon, bah, faut prendre des trucs. Cool, ah ouais, hyper, c'est gratuit. Il y a un bouclier et un kit de soins. Okay. Bon, bah, allons voir la transmission. C'est super 2 là qui dessine sur les murs. Gros bâtard. Mets-lui une balayette. Hop là. Moi, t'es bombé, mec. Ah, la transmission que Troy vous montrer. Ouais, bah, vas-y. On la voit, et puis à mon avis, on va couper la veille. Oh, dès! Puis ce sera tout pour aujourd'hui. Oh la vache! Putain, mon gars, t'as failli tomber! Oui, j'ai vu. Oh la vache! Non, c'est bon! Mais comment t'as fait pour tenir là-dessus? Je sais pas, mais en tout cas, ça passe. Genre, le robot fait 3 fois ta taille, quoi. Bah, après, regarde, mais genre, il fait vraiment 3 fois ta taille, quoi. Attends, je me mets dessus, tu vois, c'est impressionnant. Ou alors, toi, tu fais 3 fois ta taille? Attends, quoi? Je sais pas ce que t'as envie de dire, mais. Ouais, je sais plus. Ah, j'ai perdu le fil. Il est là le fil. C'est à quel tour qu'on doit aller? Celle là-bas. Attends, j'en remets une! Ah non, je suis monté sur toi! Mec, j'ai fait le combo. Tu sais, t'arrives, tu lui mets un high kick. Ouais. Enfin, un jump kick, et puis t'appuies sur E et ça lui écrase la tête. Putain, mais je suis encore monté sur toi. C'est vrai, c'est dégueulasse. T'es sûr que t'es pas monté sur le toit? Lol. Merde, je suis passé devant. Merde, je vais sauter par-dessus. C'est dégueulasse. Par contre, du coup, ouais, ils sont carrément plus violents qu'avant. Non, mais bon, vu qu'en même temps, nous on gagne des points de compétences, des trucs comme ça, c'est pas impossible quoi, du coup. Genre là, par exemple, s'il est par terre, je peux le one-shot avec le coup de pied. Oui, j'ai vu ça. Moi, j'étais en train de le faire des petits coups de pied dans le cul et puis. Des petits stabadis. Elle a explosé quand même, hein. Quand même, hein. Quand même, hein. Bon. Je crois que ça enlève les dégâts, ça. Ouais, c'est bien fait, ça. Enfin, c'est bien fait. C'est quoi, quand même? Pour un jeu vidéo, c'est bien fait. Dans la vraie vie. Allez. Ouais, les toits. Ouais, c'est ça, les toits de marché quoi. Ouais, ça j'avais déjà eu dans l'autre ville. Putain. Ce qui est logique, mais maintenant on devrait quand même le traverser quoi. Ah oui, clairement. Il y aura la transmission. Putain, y'a plein de mecs. Sérieux, t'es en bas? Ouais. Ok. C'est parce qu'il y avait une voiture de flic, mais. Y'a pas un truc plus simple pour revenir à la tour à chaque fois? Parce que t'imagines, tu reviens de mission, t'es crevé, t'arrives pas à monter. T'arrives de mission, t'es crevé. Tu sais, le mec il est pas du tout nul en survie quoi. Non mais. Non mais je veux dire, t'imagines, t'as fait une traque de 3 jours pour sauver des mecs et tout, tu les as portés. Non mais le pire c'est que dans l'autre il y avait des ascenseurs, les zombies ont jamais pu le prendre par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, t'arrives, c'est la merde quoi. Mais lâchez-moi, putain! Ouais, lâchez-la si tu veux. Non. Ouais, j'appuie sur B. Plus simple. De toute façon, j'ai quand même. Putain, ça regarde vers l'arrière du coup. Bonjour. Bonjour! Qu'est-ce qu'on va voir de nos propres yeux? À part ta cicatrice chelou. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'elle a vu? Un document interne du groupe de ravitaillement et d'entraide impliquant cet organisme dans un complot criminel de grande ampleur a été rendu public aujourd'hui. Ah bah oui, c'est ça qu'on dit. Fichier. En résumé. Plutôt que de chercher un vaccin au virus d'Aran, le GRE comptait le militariser et le vendre au plus offrant. Une levée de bouclier mondial à... Non, va droit au but. J'étais le dernier survivant de la zone de quarantaine. Je n'y crois toujours pas. C'est pas vrai? Je suis encore en vie, j'arrive pas à y croire. Nous pleurons. Il va trop se transformer, le bouffer. Mais pour reprendre les mots du président dans son discours d'aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Des soldats ont fouillé la zone de quarantaine à la recherche. Mais nous devons aller de l'avant, il a dit non. Mais ouais. Même sur le vin. D'après le colonel Tanner, une fois le processus de décontamination mené à bien, l'infection sera. Mais là, il pense qu'il y a plus de survivants dans la ville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors qu'ils le savent, ils sont contactés. Bah ouais. Et justifie devant le monde entier la destruction de la ville. Crane, écoute-moi avant de foncer dehors. On a déjà un plan pour envoyer un message à l'extérieur. Un pigeon ? On place des charges dans un immeuble selon un plan précis et on les fait sauter. Ce que les zombies ne pourraient pas faire. On a un traceur, Michael, sur l'immeuble. Mais il n'arrive pas à atteindre. La dernière fois qu'on a fait péter un truc, notre meilleur pote s'est fait mal. Oui, c'est franchement, ça s'est pas bien passé. Ça me fait mal de le reconnaître, mais aucun de nous n'est assez fort pour l'aider. Putain, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant ou ces cons vont nous pulvériser. Toi, moi, Jacques. Et il devient. Dis à Michael que je viens lui filer un coup de main. Pendant tu peux une bonne conscience. Tu essaies d'appeler Jade. Dis-lui qu'il faut que je la voie. Est-ce qu'il y a entre toi et elle? Oh, elle est gentille. Ouais.
Salut mec. C'est une crête dégueulasse par contre. Bon, et bah voilà, hein, c'est tout, voilà. On va tous crever. Ouais, on termine sur une note positive. Fais-nous un dernier mot. Mais écoutez, non, aujourd'hui j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Je suis dans un mood qui fait que là on va tous crever et j'ai pas envie de faire un dernier mot. Et là, mon dernier mot ce sera, tu sais, cet instrument là, le bagpipe, je sais pas comment dire en français. La. Saxophone. Non. Harmonica. Non. Flûte à bec. Non. Ça ressemble à quoi? Une cornemuse. Non, c'est pas ça. Cornemuse. Bonsoir. Cornemuse.